L'île de Manhattan est faite d'innombrables clichés. Un des plus connus est la fameuse skyline, la ligne d'horizon de New York. Au-delà du cliché, au pied des gratte-ciel, l'horizon se rétrécit et la ville prend une dimension humaine. Oui, la ville de New York est avant tout faite pour l'homme. Elle est au service de l'homme. Tout est conçu pour que chacun puisse trouver ce qu'il cherche n'importe où et n'importe quand. L'homme est la vraie référence d'une ville beaucoup moins écrasante qu'on ne pourrait le croire. New York impressionne parce qu'elle ne cesse de grandir. Sans arrêt, la ville prend de la hauteur. C'est pour elle la seule possibilité de gagner de l'espace. Les mètres carrés constructibles sont limités, mais pas la hauteur des immeubles. On se dispute pour obtenir la meilleure vue possible. Et l'on n'hésite pas à faire de l'ombre aux voisins. Quand on construit un immeuble, la hauteur définitive est gardée secrète, le plus longtemps possible. Souvent, ce n'est qu'en prenant de la hauteur que l'on peut trouver une place. La ville s'est réinventée à la verticale. Elle a créé des métiers qui lui sont adaptés. Les laveurs de vitres étaient à l'origine des Indiens insensibles au vertige. C'est à l'échelle humaine que la ville se mesure. La police contribue à donner à New York une dimension humaine. Elle fait partie des images familières qu'on emporte de la ville et qui circulent à travers le monde. Les pompiers jouent le même rôle en illustrant aussi le sens du service. Leurs camions et leurs sirènes font partie du décor de la vie quotidienne. Le paysage de la ville est parsemé d'objets utilitaires, en apparence anodins. Dans le mobilier urbain, l'image de New York se reflète à l'infini. La ville elle-même est devenue une icône. L'image de New York se reflète aussi dans les nombreuses œuvres d'art qui parsèment l'espace public. Aucune autre ville au monde ne peut rivaliser avec New York pour sa vitalité artistique et le dynamisme du marché de l'art. Les artistes se comptent par dizaines de milliers. Leurs créations se multiplient et se renouvellent sans cesse dans une véritable galerie à ciel ouvert. Les New-Yorkais sont beaucoup plus décontractés que l'on imagine. Ils vivent dans une ville trépidante, certes, mais qui donne à chacun la possibilité de rompre le rythme quand il le désire. Beaucoup de quartiers ont conservé une taille humaine. Il est parfaitement possible d'y mener une vie communautaire. Les habitants travaillent ensemble à l'entretien de jardins dont tout le monde profite. Il existe plus d'un millier de jardins communautaires à New York. Les animaux domestiques ont aussi leur place. Leur maître étant souvent très occupé, un métier s'est développé, promeneur de chiens. L'île de Manhattan ne vit pas repliée sur elle-même. Au contraire, il suffit par exemple de franchir l'East River pour changer radicalement d'environnement. Sur l'île de Long Island, la station balnéaire de Rockaway Beach donne de New York une image inhabituelle. L'océan Atlantique atténue les extrêmes d'un climat très contrasté. Et les plages new-yorkaises ressemblent parfois aux plages californiennes. À Coney Island, on vient prendre du bon temps dans les parcs d'attractions. À l'origine, la population se réfugiait ici en été pour fuir la chaleur étouffante de la ville. L'invention de l'air conditionné fut une des raisons du déclin de Coney Island après la Deuxième Guerre mondiale. Mais le site retrouve aujourd'hui une seconde jeunesse. Les rues et les avenues tracent les frontières des différents quartiers. Comme la plupart des rues, les avenues sont numérotées, sauf quatre d'entre elles, baptisées d'une lettre dans le quartier d'Alphabet City. 1700 parcs sont recensés dans la ville.
Le contact avec la verdure est de plus en plus recherché par les New-Yorkais. La végétation apparaît désormais sur chaque espace disponible. Elle ne doit sa présence à New York qu'à la seule volonté de l'homme. Le plus grand espace vert de Manhattan a lui-même été entièrement réalisé par l'homme, Central Park. Comme partout à New York, on y fait des rencontres étonnantes. Ainsi, sur un plan d'eau, il n'est pas rare de croiser un authentique gondolier vénitien. New York figure parmi les villes les plus cosmopolites du monde. Elle porte bien le surnom de ville-monde. La diversité ethnique saute aux yeux à New York. D'ailleurs, aujourd'hui, toutes les ethnies sont représentées. La diversité est alimentée par l'immigration, ancienne ou récente. Plus du tiers des habitants ne sont pas nés ici. Les immigrés ont souvent leur propre quartier, leur mode de vie et dans leur bagage, ils ont apporté leur culture et leurs traditions. Les différentes communautés sont fières de leurs origines. Elles célèbrent toutes leurs fêtes nationales et leurs festivités s'intègrent naturellement au calendrier new-yorkais. New York adore les parades. La parade de la fête de Thanksgiving, par exemple, attire plus de 2 millions de spectateurs. New York adore faire la fête. Et quand il s'agit de chasser les mauvais esprits à l'occasion d'Halloween, tout le monde participe. Et quand les New-Yorkais décorent leur maison, ils ne lésinent pas sur les moyens. Quand Noël approche, certains quartiers organisent même des concours de décoration des maisons particulières. Et les millions d'ampoules contribuent à créer l'ambiance irréelle des fêtes de fin d'année. New York a le sens du spectacle et de la mise en scène. Ici, le show est partout, sur scène et dans la rue. La ville de New York est composée de 5 arrondissements différents. Le plus connu porte le nom de l'île qu'il occupe, Manhattan. L'île est hérissée de gratte-ciel qui dessine un horizon bien caractéristique, la skyline, littéralement, la ligne du ciel. À New York, l'horizon est multiforme et les formes évoluent un peu comme les ombres. Mais comment peut-on organiser un tel panorama urbain sur un espace aussi réduit ? C'est très compliqué de construire à New York, pour plusieurs raisons. Détruire des bâtiments n'est pas simple s'ils sont situés dans un quartier historique. Et il y a de plus en plus de quartiers classés historiques. Donc, c'est très difficile de les détruire. Les gratte-ciels poussent à New York dans un mouvement quasi perpétuel. Mais le mouvement s'est accéléré depuis le début du 21e siècle. Il y a eu une évolution intéressante après le 11 septembre. La forme de la Freedom Tower, qui s'appelle maintenant One World Trade Center, est tout à fait nouvelle et dynamique. Elle a changé la silhouette du bas de Manhattan. Je suis toujours fasciné par les immeubles historiques comme l'Empire State Building ou le Chrysler Building. Il y a eu une période sans construction intéressante, mais maintenant, les plus grands architectes du monde construisent à New York. Curieusement, entre Midtown, la partie centrale de Manhattan, et Downtown, le sud de l'île, aucun gratte-ciel n'apparaît sur la ligne d'horizon. Cet espace est composé uniquement de maisons de ville ou d'immeubles dépassant rarement les 10 étages. On peut se demander pourquoi. C'est en raison de Wall Street qu'il y a des gratte-ciels à Downtown. La ville de New York est née à Downtown. C'est le centre de la finance et les gens voulaient être près de la bourse. Les riches habitaient plus haut, à Greenwich Village. Ils ne voulaient pas subir les encombrements de Downtown. Et on a aussi construit des gratte-ciels à Midtown.
parce que là, il y avait la gare centrale. Ainsi, lorsque les gens arrivaient en train à Manhattan, il leur suffisait de marcher un peu et d'aller à leur bureau. Et aujourd'hui, quelles sont les tendances qui prédominent chez les architectes qui construisent les nouveaux gratte-ciel ? La tendance principale à New York est maintenant aux constructions hautes, fines et en verre. Beaucoup de nouvelles tours atteignent 300, 350, 400 mètres. Au lieu de construire des bâtiments hauts et larges à la base, on construit très fin. Et on peut ainsi aller beaucoup plus haut. Ces gratte-ciel veulent avoir une vue imprenable sur Central Park et sur la ligne d'horizon de Downtown. On pourrait se demander si ces immeubles si minces sont vraiment solides. Les gratte-ciel qui sont si fins sont très solides. Et de plus, les ingénieurs doivent tenir compte du vent et de l'oscillation. Beaucoup comportent un amortisseur harmonique qui permet d'amortir le phénomène d'oscillation. Donc, quelqu'un qui est dans son lit à 350 mètres de haut ne risque pas d'avoir le mal de mer. À New York, les promoteurs immobiliers se livrent une concurrence impitoyable. Le ciel et l'argent sont leurs seules limites. Pour conquérir le ciel, on peut même acheter de l'air. Le principe des droits aériens, c'est que si vous achetez l'air au-dessus des immeubles voisins du vôtre, ces immeubles ne peuvent pas construire plus haut. Donc vous achetez leur espace aérien et vous le superposez au vôtre. Certains gratte-ciels sont des points de repère naturels à New York. Le One World Trade Center est aussi un symbole, puisqu'il remplace les tours jumelles détruites en 2001. Même sa hauteur est symbolique. 380 mètres, qui font 1776 pieds, ce qui donne l'année de l'indépendance des États-Unis. Depuis l'observatoire installé au sommet, la vue porte à 80 km. Sous les pieds des visiteurs, la ville semble se dérober. Sensation forte garantie. L'Empire State Building fut longtemps le plus haut immeuble du monde. Grâce à son antenne, le bâtiment dépassa de justesse le Chrysler Building. Par leurs lignes et leurs éléments décoratifs, les deux immeubles portent au sommet l'architecture Art déco à New York. Les buildings s'adaptent à leur environnement. Ainsi, le Flatiron a pris la forme d'un triangle, car Broadway, à ses pieds, n'était pas perpendiculaire aux autres rues. Le siège des Nations Unies est l'œuvre collective de 11 architectes, parmi lesquels Le Corbusier. Et devant un des centres de la diplomatie mondiale, les causes les plus délicates de la Terre cherchent à se faire entendre. Certains immeubles ont adapté leur forme à leur fonction. C'est le cas du Lincoln Center, qui met ses salles à la disposition de la culture. Plusieurs institutions y ont établi leur siège, comme le Metropolitan Opera ou le New York City Ballet, une des plus importantes compagnies de danse et de ballet au monde. L'architecture néoclassique offre un cadre pompeux à la Bibliothèque publique de New York. C'est la plus vaste du pays, avec 17 millions de lecteurs par an. Entre les anciens ouvrages et les nouveaux modes de lecture, les temps ont bien changé. Pour construire la cathédrale Saint-Jean le Divin, on s'est inspiré du gothique français. Les travaux ont commencé à la fin du 19e siècle. Mais en raison de problèmes techniques et faute de financement, ils ne sont toujours pas terminés. Le bâtiment appartient à l'Église épiscopale des États-Unis, le nom américain de l'Église anglicane anglaise. On se demande si la cathédrale sera achevée un jour. Mais elle est déjà la plus grande du monde. Il faut se rendre à l'extrême nord de Manhattan pour découvrir une autre construction étonnante d'origine religieuse, The Cloisters, les cloîtres. Des éléments provenant de 5 abbayes françaises ont été transportés au bord de l'Hudson River et réassemblés dans un édifice-musée spécialement conçu pour eux. Nancy Wu en est la conservatrice. L'histoire des cloîtres remonte à George Gray Barnard, un sculpteur américain qui vivait en France au début du XXe siècle. Il a réuni la majeure partie de la collection que vous pouvez voir dans les cloîtres aujourd'hui.
Toute la collection a été vendue au Metropolitan Museum en 1925 avec l'argent fourni par John Rockefeller Jr. Les cloîtres rassemblent la plus riche collection d'art médiéval du continent américain. Au Moyen Âge, les abbayes disposaient de cloîtres, qui étaient un lieu de rencontre pour les moines, et aussi de jardins. Dans le cloître de Saint-Michel de Cuxa, qui vient de la région de Perpignan, vous avez un jardin de cloître typique du Moyen Âge, qui est entouré par des arcades. Au niveau inférieur, il y a un jardin avec des herbes de l'époque qui permet d'enseigner les plantes utilisées au Moyen Âge. Certaines plantes devaient être utilisées avec discernement. Loin de la quiétude des cloîtres, en plein cœur de Midtown, un autre bâtiment emblématique voit transiter 273 millions de personnes chaque année, la Grande Gare Centrale. L'horloge à quatre cadrans est un des points de rendez-vous les plus classiques de la ville. La gare donne aussi accès au métro, le moyen de transport le plus utilisé par les New-Yorkais. Les rames express ne s'arrêtent pas à toutes les stations, tandis que les rames locales s'arrêtent partout. Le métro contribue lui aussi à l'image de marque de New York. On y trouve de nombreuses œuvres d'art créées sur les murs d'émail. Beaucoup ont été rénovées récemment et le réseau fait maintenant appel à de jeunes artistes. ...40% du réseau est aérien, principalement en dehors de Manhattan. Le métro déroule près de 400 km de voies. Jadis, les rames étaient le terrain d'action des artistes du graffiti. Aujourd'hui, elles attirent d'autres talents. Dans le paysage new-yorkais, certains détails surprennent par leur côté rustique. Les citernes d'eau placées sur les toits n'ont rien de très contemporain. Mais elles font partie du spectacle de la ville. Elles sont partout. Elles se comptent par milliers. Même si parfois elles essaient de se cacher, on ne peut les ignorer. Les citernes sont apparues dans la ville au 19e siècle. Et elles n'ont pas changé d'aspect. Les révolutions technologiques les ont ignorées. Elles ont toujours été fabriquées en bois. Elles répondent de manière élémentaire à un problème complexe. En construisant la ville verticale, il a fallu trouver des solutions à tous les problèmes techniques. La famille de Andrew Rosenbach possède un atelier de fabrication de citernes depuis 1865. Les réservoirs d'eau sont la conséquence de la ville verticale avec des immeubles qui dépassent les 6 étages. Les réserves d'eau qui alimentent la ville donnent une pression suffisante pour acheminer l'eau seulement jusqu'au 6e étage. Donc, au-delà du 6e, un immeuble doit fournir lui-même la pression. Et un moyen simple, c'est de mettre un réservoir au-dessus du bâtiment. Mais quelle est la raison pour laquelle on n'a jamais utilisé d'autres matériaux que le bois pour construire ces citernes? Les réservoirs d'eau sont fabriqués en bois, surtout à New York. Il y a des années, le bois provenait d'un séquoia de Californie du Nord. Aujourd'hui, nous utilisons un cèdre que l'on trouve en Colombie-Britannique. Il y en a beaucoup par là. Le bois est un isolant naturel. Une épaisseur de 7 cm de bois équivaut à environ 60 cm de béton. Et à New York, nous avons des hivers rigoureux et des étés très chauds, avec des températures qui vont de moins 15 à plus 40 degrés Celsius. Le bois conserve la fraîcheur de l'eau en été et c'est aussi un très bon isolant l'hiver. Mais avec tous les matériaux performants qui existent aujourd'hui, le bois est-il vraiment avantageux? L'entretien des réservoirs ne coûte rien. Bien sûr, avec le temps, ils vieillissent. Mais un réservoir fait avec un bon bois peut durer 30 ou 35 ans.
les citernes donnent parfois l'impression d'être des œuvres d'art. Et au pied des buildings, d'autres silhouettes ont été imaginées par les artistes pour humaniser le paysage urbain. À New York, l'art sous toutes ses formes est partout. D'ailleurs, la ville est souvent considérée comme la capitale mondiale de l'art. L'œuvre d'art est le reflet de son époque. Il en va de même pour les gratte-ciels. Qu'elles soient fonctionnelles ou pas, qu'elles soient compréhensibles ou non, la création artistique traverse le temps en suscitant une émotion. À New York, il faut lever les yeux, car les lignes de la ville, bien souvent, se prolongent dans le ciel. Au coucher du soleil, la création artistique est d'une autre nature, mais l'émotion subsiste. Tout est en place pour que l'Empire State Building conduise le show de la ville à travers la nuit. Les couleurs changent au gré du temps et des circonstances. Il ne fait jamais nuit sur Times Square, l'épicentre de la vie new-yorkaise. À l'angle de Broadway et de la 42e rue, Times Square est cerné de panneaux publicitaires. Des milliers de mètres carrés lumineux dissimulent les façades des immeubles. Mais pourquoi une telle concentration de publicité à cet endroit? Simplement parce qu'il y a du monde. La ville se nourrit de son image et réciproquement. Times Square est surnommé le centre du monde, notamment parce qu'on est ici au cœur du monde des spectacles. Beaucoup d'artistes rêvent de passer par ici pour se faire connaître. Broadway est une avenue, mais elle est avant tout un mythe. Ici, New York a inventé le show. Au milieu de Manhattan, Central Park est une véritable œuvre d'art puisqu'il a été créé entièrement par la main de l'homme. Parcourir le parc, c'est aller à la découverte de quelques-uns des endroits les plus intéressants de la ville. Le Beatle John Lennon a longtemps vécu ici, avant de connaître son destin tragique. Strawberry Fields est devenu un lieu de pèlerinage. Même si elles disparaissent, les calèches seront encore longtemps associées aux découvertes que l'on peut faire dans le parc. Derrière la tour de l'horloge, des animaux exotiques occupent un espace qui leur est dévolu, le zoo. Les New-Yorkais de tous âges apprécient la possibilité d'observer au cœur de la mégapole quelques animaux sauvages aux origines lointaines. Le zoo de Central Park est en fait aussi ancien que le parc. Il a ouvert en 1861. Nous avons pensé qu'il était important d'avoir un zoo à Manhattan parce que parmi les gens qui vivent ici, il n'y en a pas beaucoup qui ont l'occasion d'observer la vraie vie sauvage. Dans une serre, une forêt pluviale a été reconstituée avec tous les attributs du climat tropical. Mais à New York, les extrêmes se côtoient.
Nous sommes également connus pour avoir une des plus importantes colonies de manchots aux États-Unis. Nous en avons une belle collection avec 4 espèces différentes de manchots de l'Antarctique. La mise en scène d'animaux sauvages est toujours spectaculaire et sympathique. Mais ces animaux sont-ils vraiment sauvages ? Les animaux qui vivent aux zoos de Central Park sont nés et ont été élevés dans des zoos. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les zoos vont chercher les animaux dans la nature, mais ce n'est pas du tout le cas. Une partie du zoo est dédiée aux plus petits. À New York, les enfants ont rarement la possibilité de rencontrer une chèvre. Le zoo pour les enfants leur présente quelques animaux typiques de la campagne américaine. Et même d'autres venus d'ailleurs. À l'ouest de Central Park, le musée américain d'histoire naturelle est mondialement connu pour ses dinosaures. Il possède une collection exceptionnelle de squelettes gigantesques. Les animaux empaillés sont replacés dans leur environnement naturel. Le musée possède aussi un riche département d'anthropologie. De l'autre côté du parc, la 5e avenue et son Museum Mile alignent des musées parmi les plus prestigieux. Le Guggenheim doit son profil audacieux à l'architecte américain Frank Lloyd Wright, l'un des fondateurs de l'architecture moderne. À quelques pas du Guggenheim, une ancienne résidence particulière abrite l'exceptionnelle collection de tableaux d'un mania de l'acier, Henry Frick. De l'autre côté de l'avenue, le Metropolitan Museum of Art est l'un des plus grands musées au monde, et pas seulement du point de vue de la superficie. Il possède notamment une fabuleuse collection consacrée à la peinture européenne. Plusieurs tableaux majeurs sont exposés dans une succession qui donne le vertige. On ne sait où donner de la tête devant une telle accumulation. D'Ingres à Degas ou de Monet à Renoir, en passant par Van Gogh. Ils sont tous là. La collection de peinture européenne est tellement riche qu'un département entier lui est attribué. Mais beaucoup d'autres départements du musée, comme celui de la sculpture antique, rassemblent des pièces inestimables. Pour ses diverses collections, le Metropolitan Museum se situe au niveau du Louvre à Paris ou du British Museum à Londres. Le département des antiquités égyptiennes doit sa richesse aux fouilles menées par les propres archéologues du musée. La collection atteint un sommet avec le temple de Dendur, en partie reconstruit dans une des salles. Un beau cadeau offert par l'Égypte aux États-Unis. Sur la 5e avenue, presque chaque dimanche d'été, les communautés de la ville célèbrent leur fête nationale par un défilé haut en couleurs. Les couleurs des drapeaux ne laissent aucun doute sur le pays fêté. Porto Rico ! Les Portoricains forment l'une des plus importantes communautés de New York. Ils possèdent un statut particulier car ils ont obtenu la nationalité américaine. Les parades nationales apportent l'exotisme. Elles contribuent au show de la ville. Par rapport à l'Europe, New York est une ville jeune. Elle a besoin d'avoir une histoire. Les musées participent à l'histoire. La ville a donc multiplié les musées. Les pompiers jouissent d'une image très positive auprès de la population. Ils sont considérés comme des héros. On leur a consacré un musée dans une de leurs anciennes casernes. Les ancêtres des véhicules d'aujourd'hui rappellent le rôle historique des pompiers dans une ville aux bâtiments difficiles d'accès. 343 pompiers laissèrent la vie dans les attentats de 2001. Autre symbole de la ville, la police.
elle dispose du plus grand nombre de policiers aux États-Unis. À New York, leurs moyens de déplacement sont variés. Il y a le scooter, le cheval, qui permet de prendre de la hauteur, l'hélicoptère, des véhicules adaptés à chacun des besoins, et aussi la marche à pied. Le musée de la police passe en revue les différents matériels qui ont équipé les policiers new-yorkais à travers les années. Et entre autres, de fameuses motos entrées dans la légende. La lutte contre le crime est retracée en grandeur nature. Étroitement liée à l'histoire de la ville, les transports en commun ont aussi leur musée. Ils ont permis le développement de New York avec différents modes de traction. Les tramways hippomobiles ont fait leur apparition dans la première moitié du 19e siècle. L'électricité a ensuite remplacé les chevaux et les tramways ont circulé jusqu'au développement du métro. Un célèbre musée de cire présente d'autres icônes, des personnalités à la renommée internationale. Madame Tussaud, créatrice du musée et originaire de Strasbourg, s'est fait une spécialité d'immortaliser les personnages célèbres par des figurines de cire. Les présidents américains successifs y figurent en bonne place. On y rencontre aussi les célébrités de la vie new-yorkaise. En matière de musée, à New York, l'imagination est sans limite. Le musée des choses incroyables prouve qu'avec une idée étonnante et une bonne mise en scène, chacun peut accomplir des prouesses. Un musée repose parfois sur une opportunité. Ainsi, pour éviter de démanteler un des vestiges de la marine, on a modifié le porte-avions Intrépide. Le bateau reconverti est ainsi devenu le musée de la mer, de l'air et de l'espace. Mark Roberts est guide sur l'Intrépide. Nous sommes sur un monument national flottant. L'Intrépide a servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a récupéré des astronautes à leur retour sur Terre. Il a traqué les sous-marins russes pendant la guerre froide. Et maintenant, c'est un musée. Les avions exposés proviennent de l'aéronavale. Mais le musée possède également un exemplaire du célèbre Concorde. L'avion assurait des liaisons supersoniques par-dessus l'Atlantique, sur New York. Au flanc du porte-avions est amarré le sous-marin Growler, le premier sous-marin à avoir été doté de missiles nucléaires. Un autre vestige de la guerre froide. Autre pièce spectaculaire de la collection, la première navette spatiale américaine. Nous avons fait une proposition à la NASA qui a décidé que ce musée serait traité de la même manière que le Centre spatial Kennedy et que nous pouvions disposer aussi d'une navette spatiale. Nous sommes très heureux et fiers d'avoir une des quatre navettes spatiales qui existent. Le porte-avions est devenu un site historique de plus à Manhattan. Le Skyscraper Museum, le musée des gratte-ciels, dépasse le seul cadre de New York. Il aborde toutes les plus hautes constructions du monde. Depuis le début de la construction des buildings, bien des choses ont changé. Atteindre la hauteur symbolique de 1000 mètres n'est plus un rêve insensé. La résistance au vent est un paramètre important. Mais selon les architectes, il n'y a pas de limite technique à la hauteur d'un immeuble. À New York, l'architecture urbaine est en mutation constante. La coulée verte de la High Line traverse le quartier de Chelsea et aboutit à son extrémité sud, au Whitney Museum, dans le Meatpacking District. Le Whitney a emménagé depuis 2015 dans un bâtiment conçu par l'architecte italien Renzo Piano. Il est consacré pour l'essentiel à l'art américain des 20e et 21e siècles. Des artistes incontournables y sont représentés, comme Edward Hopper,
qui a cédé une grande partie de sa collection au musée. Au-delà des œuvres de Jackson Pollock et autres noms connus, le musée organise chaque année une biennale pour faire connaître des artistes américains émergents. Les quartiers évoluent très vite à New York. Chelsea et ses rues bordées d'arbres a toujours été un quartier résidentiel. À l'origine assez populaire, Chelsea a vu de nombreux artistes arriver à la fin du 19e siècle. Certains se sont installés dans un célèbre hôtel où ils ont vécu de longues années. Aujourd'hui, Chelsea est reconnue comme le quartier historique des artistes. Bien des tendances sont parties d'ici. Les galeries d'art contemporain du quartier ont toujours une influence considérable sur le marché de l'art. Quand Chelsea est devenue trop chère, beaucoup d'artistes sont allés plus à l'est, dans le quartier de Soho. Des usines et des entrepôts abandonnés leur fournissaient un logement bon marché. Soho a été classé quartier historique en 1973 en raison de la beauté de ses bâtiments aux structures réalisées en fonte. Broadway est l'artère la plus animée de Soho. Le nom du quartier est la contraction de South of Houston Street, c'est-à-dire au sud de la rue Houston. Les pavés de certaines rues sortent tout droit du 19e siècle. Les étals dans la rue et l'ambiance décontractée ne doivent pas tromper. Soho est devenu un des quartiers les plus tendances de New York et l'un des plus chers. Ici, la créativité est partout. L'imagination est toujours le moteur de la mode et de l'art. Sur un trottoir, le plan du métro a été dessiné en acier inoxydable. C'est l'œuvre de l'artiste belge François Shane. La rue est un champ d'expérimentation pour les artistes. Les influences du street art, l'art urbain, sont très diverses. La bande dessinée, entre autres, lui a beaucoup apporté. Nolita est une autre abréviation. North of Little Italy, le nord de la Petite Italie. Elle désigne un autre quartier proche de Soho. Un ancien quartier industriel devenu lui aussi très branché. Fuyant la hausse des loyers, les artistes ont suivi le pont de Brooklyn pour quitter Manhattan vers l'est. Le pont est une œuvre d'art très familière dans le paysage new-yorkais. C'est l'un des plus anciens ponts suspendus des États-Unis. Il est devenu un but de promenade très fréquenté. Au centre du pont, de nombreux cadenas d'amour ont fait leur apparition. Complété par un petit message rédigé au milieu de l'East River, les cadenas apportent une touche de romantisme à un ouvrage devenu un des symboles de la ville. Brooklyn a toujours été une extension de Manhattan où l'espace manquait pour permettre à la ville de se développer. À Brooklyn, l'espace est beaucoup moins rare, donc beaucoup moins cher. Les quartiers résidentiels ont conservé le charme de la première partie du XXe siècle et les loyers raisonnables ont attiré les New-Yorkais en très grand nombre. De plus, en métro, Manhattan est tout proche. Il n'en fallait pas plus pour attirer les artistes pour lesquels Chelsea, Le Village et Soho étaient devenus hors de portée. Beaucoup se sont installés à Bushwick, devenu récemment le temple du street art. Ce quartier, autrefois peu fréquenté et peu fréquentable, a vu évoluer les graffitis en peintures murales et les peintures murales en fresques de tout style et de toute dimension. À New York,
La peinture murale est depuis longtemps une technique utilisée par la publicité en lieu et place des affiches en papier. Et il n'est pas étonnant qu'une des sociétés spécialisées dans les gigantesques publicités peintes ait ses ateliers à Brooklyn. Qu'elles soient publicitaires ou purement artistiques, ces peintures murales ne sont-elles pas un art ? Oui, c'est vraiment une discipline artistique. En fait, je considère que c'est un métier qui remonte à Michel-Ange et à la chapelle Sixtine. Nous utilisons les mêmes techniques que lui à l'époque. C'est bien plus que réaliser une peinture publicitaire. Notre approche, c'est aussi une manière de transmettre aux jeunes artistes la technique pour utiliser les pinceaux et peindre sur des murs. Partir d'un grand mur blanc pour réaliser une peinture extrêmement précise, tout en n'ayant aucun recul, implique beaucoup de talent, certes, mais aussi une grande expérience. C'est un peu la technique du pochoir. On projette l'image que l'on veut peindre sur un grand papier et on trace les contours des formes à l'aide d'une machine électronique à impulsion. Et c'est ce canevas que nous utilisons pour peindre le mur. Ces peintures publicitaires murales demandent un travail énorme, alors qu'elles sont éphémères, les murs étant loués pour une durée déterminée. Elles sont faites pour durer combien de temps ? Tout dépend de la durée d'exposition que souhaite le client. Ça peut aller d'une semaine à un ou deux mois. Brooklyn, 5 heures du matin. La lumière de l'aube colorie les nuages et souligne les détails de la ville. Bushwick, lentement, s'éveille. Shaun est une photographe spécialisée dans une forme d'art urbain tout à fait originale. J'ai choisi le quartier de Bushwick parce que même si c'est un quartier difficile, c'est surtout un quartier qui évolue. J'aime aussi ce côté guerre de territoire à New York qui a contribué à l'art de rue. Pour exercer sa spécialité, Shaun doit d'abord repérer un bon emplacement. Objectif ? Accrocher une paire de chaussures à un fil électrique et en faire des photos artistiques. J'utilise les chaussures par paire. Les lacets sont défaits, donc je vais attacher les deux chaussures ensemble. Shaun commence par peindre les chaussures chez elle. Un impératif, la couleur fluo. Ça y est, c'est prêt. La discrétion est primordiale car l'opération est tout simplement hors la loi. Personne en vue. Et hop, les chaussures sont en place. Il ne reste plus qu'à les photographier. C'est ainsi que dans les rues de la ville, les chaussures deviennent œuvres d'art et se fondent dans le décor du spectacle. Et la deuxième paire. Shaun a réalisé ses œuvres d'art un peu partout dans New York et ses banlieues, mais aussi dans des endroits bien plus lointains. Il y en a 25 ou 26 dans le Grand New York. Il y en a surtout à Brooklyn, un peu à Manhattan. Il y en a aussi deux à Paris, deux à Rome, et il y en aura bientôt à Sydney. Les paires de chaussures pendues au fil électrique sont un phénomène que l'on observe dans de nombreuses villes américaines, mais surtout dans certains quartiers de New York. Elles ne sont pas toutes des œuvres d'art. Mais quelle en est la raison ? J'ai fait des recherches sur l'histoire de cette pratique et en fait, ce sont des militaires qui ont commencé à faire ça à la fin de leur service. Grâce à l'imagination et au talent des artistes, Bushwick devient à son tour un quartier tendance pour l'art new-yorkais. Le métro mène à Williamsburg, un autre quartier de Brooklyn dont une partie abrite une importante communauté de juifs hassidiques. New York est faite d'une juxtaposition de quartiers qui ont tous une identité bien marquée, notamment par l'activité de leurs habitants, leur origine ou leur religion. Chaque communauté a ses rites ou ses fêtes. Ce jour-là, à Williamsburg, on prépare la fête de Sukkot. Les citrons et les pâtisseries traditionnelles sont prêts. Ainsi que les cabanes de toile, qui rappellent que des Juifs passèrent 40 ans dans le désert. Le rabbin Michel Cohen, un Français,
organise les festivités. La fête de Soukhot, c'est la fête qui permet de justement unir toute cette communauté et avoir tout le monde sur le même arbre, sur le loulav. En fait, c'est la fête de la joie, la fête de l'unité. Et après, on va aller danser toute la nuit. Soukhot est la plus joyeuse des fêtes de la tradition juive. La ville de New York est toujours en mouvement. Elle forme une vaste mosaïque de quartiers qui ont beaucoup évolué avec le temps. Mais tous ont évolué à leur rythme. L'un des quartiers parmi les plus typés de New York s'étend au nord de Central Park, au-delà de la 125e rue, Harlem. Les artères au nom légendaire parcourent le quartier qui est devenu un des lieux symboliques de la culture afro-américaine. Fuyant les États du Sud, les Noirs sont arrivés à Harlem, un ancien quartier bourgeois, au début du XXe siècle. Le quartier a longtemps été déshérité et il subsiste encore des endroits où la pauvreté n'a pas disparu, comme à Spanish Harlem, le Harlem hispanique. Harlem a été un ghetto, mais les choses ont beaucoup évolué. Une population plus aisée a fait son apparition dans le quartier. Le niveau de vie s'est amélioré et la quiétude est revenue. Le dimanche, pour l'office religieux, les fidèles se rassemblent devant les innombrables églises d'Harlem. L'art de la rue s'inspire ici des grandes figures de la communauté noire. Certains artistes sont devenus des stars dans le quartier. On m'appelle Franco le Grand en raison de mon travail. Je peins à Harlem depuis 40 ans. Et tout ce que vous pouvez voir sur les volets des magasins, c'est ma contribution à Harlem. Dans de nombreux domaines artistiques, Harlem est devenu une référence, presque une marque de fabrique. Plusieurs grands noms de la musique ont été révélés à l'Apollo, la fameuse salle de spectacle de la 125e rue. La renaissance de Harlem passe par la réhabilitation de son patrimoine architectural. Parmi les fleurons de son architecture figurent les célèbres brownstones, des maisons en grès rouge avec escaliers, aujourd'hui très recherchées. Beaucoup d'efforts furent accomplis ici pour une meilleure justice sociale. Le City College of New York a été le premier établissement d'enseignement supérieur, public et gratuit des États-Unis. Après des années de crise et de délabrement, le quartier découvre aujourd'hui une certaine prospérité. Mais pour autant, Harlem n'a pas perdu son âme, notamment grâce à la musique. Ici, tous les courants musicaux se croisent. Harlem est la capitale culturelle noire du monde pour le jazz, le R&B, le hip-hop, le blues et même le rock. Harlem est vraiment omniprésent dans la musique. À l'image de la musique, New York sait mélanger les genres et les différences.
la ville tout entière repose sur une mise en scène avec un décor et des acteurs qui changent en permanence. New York est une scène de spectacle. Elle est toujours en représentation. Et rien n'arrête jamais le show de la ville.